Salut à tous les petits chua d'amour, ici StarCat votre hôte. Et nous sommes en direct de Wildstar avec cette chère magnifique, sublime Ajura Repsetti avec ses lunettes d'enfer, n'est-ce pas? Et nous avions capturé donc le mercenaire Arcos pour le grand patriarche Makaza. Et le patriarche Makaza avait réservé une petite surprise pour Arcos, une grande chasse apparemment. Il avait invité un haut dignitaire en fait des Draken pour assister à la grande chasse qui sera donnée. J'étais invité à la grande chasse. On le voit ici, c'est le patriarche Makaza qui m'invite. Donc bah écoutez, on va voir ce que ça va donner cette grande chasse, surtout avec Arcos. Bon, patriarche, je crois que je suis arrivé. Qu'est-ce qu'on va faire? On va chasser Arcos et le grand Luminium, ou je sais plus comment il s'appelle là, le haut fonctionnaire là. Ah, le Luminaille, le voilà. Le sang c'est de ça. Ce clan coule dans mes veines. Ne te méprends pas, ma parole est incontestable à sang ardent. Oh non, je conteste rien du tout, moi. Je suis une digne servante de votre majesté. Tu devrais voir ça comme un grand honneur. Ça n'arrive pas tous les jours qu'un Luminaille daigne vous rendre visite. Ah, le voici. Je saurai tenir, ô grand patriarche. Tu es arrivé juste à temps. Les Luminailles atterriront d'un moment à l'autre. Oui. Ah, oui. Ah, Makaza. Ça faisait longtemps. Et l'agent Lex, je ne savais pas que vous étiez chargé de surveiller cette région. Voilà une surprise inattendue, sans aucun doute. Les millénariens tenaient à ce que je sois présent, au moins pour vous accueillir comme vous y êtes habitué. Au nom de l'Empereur, puisse son règne durer longtemps, je vous souhaite la bienvenue sur Nexus, Monseigneur. Nous venons de repousser une tentative d'invasion exilée grâce à notre ami. Ouais, c'est moi. Nous avons capturé leur chef. Ah oui? Eh bien, tu as rendu un grand service au Dominion. Makaza, j'aimerais voir ce grand adversaire dont tu me parles. Arcos. Oui, Monseigneur. Suivez-moi. Je sais pas comment on fait pour marcher. Makaza, comment ton peuple a trouvé ce somptueux cadeau de l'Empereur? Un splendide cadeau, Monseigneur. Des radunes s'avèrent être un terrain de chasse parfait. Nous consacrons la majeure partie de notre temps à chasser les animaux de la savane et à exterminer les nuisibles locaux. Les nuisibles? Ce n'est pas un si somptueux cadeau, finalement, hein? Ce n'est rien, Monseigneur. Certains imbéciles semblaient croire qu'ils avaient le droit de s'installer sur le territoire du Dominion. Des sauvages, des braconniers et même des exilés. Nous nous sommes fait un plaisir de les exterminer. Il est agréable de savoir que vous aidez à garder Nexus sous contrôle, patriarche. Bien entendu. Les Draken ne s'arrêteront que lorsque la planète entière s'inclinera devant l'Empereur. Absolument. Nous arrivons devant le prisonnier, Monseigneur. Le Granok? Oh, excellent. Il semble en pleine forme. Nous pourrons sûrement nous amuser un peu avec lui. Ah, on va s'en payer une bonne tranche. T'es plus à l'abri de ton palais, tape à l'œil. Et quand je t'aurai tué, je retournerai dans ce village pour le réduire en cendres. Mais bien sûr. Tais-toi, espèce de chien. Tu es en présence d'un Luminaille. Du calme, Makaza. En plus, il a de l'esprit. N'aie pas peur, Granok. Ce qu'il te reste de vie sera stimulant. C'est le moins qu'on puisse dire. Je te le promets. Je suis fatigué maintenant et je retourne à mon vaisseau pour me reposer. Nous parlerons bientôt, Makaza. Et je te reverrai très bientôt, Granok. Tu l'as dit, ton Altesse. J'ai encore jamais tordu le cou d'un Luminaille. Je dois avouer que j'ai hâte. Oui, il n'est pas dépourvu d'esprit. Curieux. Oui, dormez très bien, curieux. Seigneur. Votre adversaire s'avérera peut-être plus retors que vous ne l'imaginez. Oui, c'est bizarre quand même qu'il ait ce courage devant le... Pas bon. Bien. C'est tout ce qu'il fallait faire?
Bien. Mais si c'est tout ce qu'il fallait faire, ouais, d'accord. Je vais aller voir Torvark l'Ancien, moi, pendant ce temps-là. Bah écoutez, amusez-vous bien, Luminaï, hein, avec ce cher Granok. Torvark l'Ancien, voilà. Raconte-moi ce que tu as découvert. Ah, je me doutais que mon fils avait été capturé. Ne culpabilise pas, Jarok a toujours été un guerrier avant tout. Tu lui as accordé une mort honorable. Ah oui, c'est le fameux Jarok que j'avais libéré dans les mines. Alors, passe-main du marchefeu, cellule du marchefeu ou l'appel du marchefeu. Moi, c'est de l'assaut que je veux, donc... Indice du percé, plus 103... Ça pompe, ça perce l'armure, donc... normalement, ça devrait être meilleur. J'ai 200 envers toi. Bof. Ça me dérange pas trop d'être 200. Parce que je, moi, c'est plutôt du découpage en règle. Bien, suivant. Ici, nous avons... Un petit anacron humanoïde, ça c'est, j'avais déjà fait. Valir de Kadémidra. C'est elle, non? Démidra, elle est où? Elle est derrière, on dirait. Ouais. Ouais, mais non, mais ce sont les crânes, ça. Je m'en fiche un pas. Ok, bon, on dirait que c'est fini pour Arcos. C'est bizarre. Commando singerie. Ah bah voilà, c'est là-dedans qu'on va faire les singes. Donc c'est bon, j'ai compris maintenant. Il y a un endroit où les faire, les singeries. Je vais aller les retrouver pour finir ce défi de soldat. Alors les singeries, on va pouvoir les trouver sur les crochets normalement. Il y en avait plein ici normalement. Ils sont où maintenant? Pff, évidemment. Je veux mes singes. Salut. Bah, il est là, voilà. Ah non, c'est pas un singe. Oh, un info cube. C'est là. Je l'ai pas vu, lui. Nos progrès ne cessent de m'impressionner. L'extraordinaire biodiversité qui règne ici dépasse de loin nos prévisions les plus optimistes. Ah bon? Tout porte à croire que Nexus est l'endroit parfait pour mener à bien les objectifs ultimes du projet. Ah bah si tu le dis, hein. Bon, ils sont où ces singes? Ah allez, voilà. Hop. J'ai plus la grenade, j'ai l'impression. Dommage. Ça, j'ai plus la grenade, mais je dois avoir une possibilité de la débloquer quand même, je pense. Commando singerie. Alors, commando singerie. Ah bah elle est là, la grenade. Dommage. Pourtant, le thé ne fait rien, hein, donc bizarre. Ah, encore un truc à ramasser à côté de ce cadavre. Voilà, les singeries. Bah voilà, ça marchait là. Tiens, voilà, pour toi. Les pans. Singerie 6 sur 8. Hein. Ah, bonjour. Allez, au revoir. Hop. Et bah voilà, terminé. J'adore la musique. Elle est trop excellente. Alors, à nous le troisième type, c'est pas le... Bah si, il y a des trucs ici, service du village sans ardent. Ah oui, c'est ce que je voulais faire, c'était voir cette chose à faire au niveau du village. Vélociref, viens par là, toi. Voilà. Il fallait repartir en arrière, mais ça j'ai jamais pu, jamais su ce qu'il fallait faire, mais bon, on va voir. Yo-ho ! Oh, ce saut de délire. Hop, salut. Ouais, je sais, ouais. Oh là, nous avons Idole Plif. Alors, je suis rentré dans le village, maintenant ça a disparu. C'est énervant, ça. Service du village de Jean Ardent. Et là, nous avons un petit crâne humanoïde, ça c'est bon, c'est fait. Expédition en eau, troisième type. Ah bah oui, c'est le fameux... C'est l'expédition.
Là, il n'y a rien. Et le 6 est là-haut. Bon, bah, on va partir vers le 6, 4 et le 6 qui sont en haut. Hein. Pour l'instant, je vais voir à nouveau le point d'atterrissage. C'est bien ce que je pensais. Il faut taper à nouveau sur ce truc-là. Là. On va prendre le taxi. C'est bien ça. Ah ouais, c'est moins cher. Ce que me disait Fabrice, mon abonné, prendre le taxi, c'est moins cher. Console de transport, il est carlate. Est-ce que je peux y aller? Non, je peux pas y aller, évidemment. Bon, bah, je vais quand même prendre l'île écarlate. Non, finalement, non. Prendre le taxi, ça coûte moins cher, ça va plus vite. Comme on me disait, il faut que j'aille où? Alors, c'est collectif de Brute Plaine. Collectif de Brute Plaine, c'est ici. Moi qui on y va. Juré de jamais prendre un passager qui me plaisait pas. Ah, parce que je vous plais pas, peut-être. Les femmes? Oh, m'en parlez pas. Vous les conduisez sur un kilomètre et elles appellent ça 20 cm. Ah. Et ça vous intéresserait de ne pas parler pendant qu'on voyage? Merci. Ah, c'est très chouette le taxi. J'adore la manière dont mon personnage est assis derrière. C'est trop marrant. J'étais sur un satellite pour mon dernier boulot, mais j'ai pas tenu le coup. Je m'en fiche totalement, taxi. Très drôle, vraiment, mais hilarant. Ah là là. Est-ce qu'on est passé plus haut? Ah oui, il faut que j'aille en haut. Ah bah, il y a plein de nord de quête. Bon bah voilà. Avec la magie de la technologie de lévitation moderne, pour besoin d'un drone de secours qui prend de la place à l'arrière. Ah, c'est très drôle. Bon, allez hop. Ce qui est ramassé ici. Récit, la vengeance est un plat qui se mange à l'aide d'un déstabilisateur de particules. Je croyais que j'avais déjà lu ça. Bien, il y a plein de monde à aller voir ici. Ah oui, j'aime bien cet endroit. C'est mignon avec ces petites caméras comme ça. Bon, alors, c'est quoi qu'il faut faire ici? Voilà. C'est là. Parler à la chimiste Ota. Parle-moi. T'as quelque chose à me dire? La chasse aux reliques Eldan, oui. L'omniplasme est la preuve que les Eldan voulaient que cette planète soit nôtre. Des reliques faciles à ramasser et remplies d'une substance miraculeuse, ça ne peut pas être un hasard. C'est exact. Et il faut trouver que je parle à nouveau, c'est ça? Bon bah. Hop. Non, mais je suis peut-être pas assez au niveau là. Non, pourtant je suis. Tu voulais me dire quelque chose? Bah oui, c'est toi qui voulais me parler en fait. Alors voyons, c'est là. 1. S'équiper d'extracteurs de reliques de novice. Ah! Ah d'accord, on va s'équiper, voilà. Capturer de l'ectoplasme standard. C'est pas ici en fait. C'est où? Le 3, ça c'est le 1. Voilà. Bah, ça va être dans les environs, mais je ne sais pas où exactement. Préparation des protojeux, régulateur des protojeux, l'académie des protojeux, d'accord. Ici, il y a plein de choses à faire. La cuisinière, d'accord. Bon bah, je verrai bien plus tard. J'aime bien la musique. Ouais, c'est ici. Faut que je revienne là, voir la fameuse cuisinière Cécilia. Et pour la petite dame, ça sera quoi? Alors, t'es si mijote, cuisinière. Tu m'as l'air d'apprécier la bonne bouffe. Ça te dirait d'apprendre de cuisiner? Je veux bien t'accorder quelques minutes, à mon avis, ça te plaira. Bon, trop bien, prenez-moi cuisiner alors. T'as fait un sacré beau boulot. Oui. Succès cuisine, c'est bien. Médiseringue, teinture, cuisinier, voilà. Plat de viande sèche dure. Charge schéma. On sait la fabrication. Oh, pas catalyseur. Oh. Ouais, c'est ça. Catalyseur. Il faut catalyseur, bouh. Sniff. Alors, recette, t'as un catalyseur ou pas, non? Objets spéciaux? Non, bon bah tant pis. On verra ça plus tard. Ensuite. Je retourne en arrière ici, il y a plein de petites quêtes ici, c'est des artisans aussi, donc ça n'a rien à voir.
La chimiste Totin. Terminal de Transmat. Je regarde un petit peu ce qu'il y a ici hein, parce que c'est important. Bon bah je vais aller faire objectif de quête ici. Hein. Un peu confus quand même hein, pour ça, je trouve le jeu. Recruteur des proto-jeux, salut! Succès obtenu! Découverte de donjon, l'académie des proto-jeux, ciao! Les décharges de responsabilité en cas de mort sont signées. D'accord. Hop. C'est un plaisir de voir avec quel enthousiasme vous désirez vous perfectionner en combat des groupes. Êtes-vous prête à participer à l'académie des proto-jeux? Oui. Coupeur d'entraînement, découpeur de sécurité. J'ai l'air bien ça. Hop. Bon et rentable voyage! J'ai fait quelque chose avec ma cuisine. Bizarre. Bon. Et ça c'est... Ah, c'est mon épée en fait. Et je peux mettre un emplacement de runes. Il y a deux emplacements de runes en fait dessus. Emplacement terre ouvert et vie ouvert. C'est bien, je pourrais pas emplacer des runes normalement là. Donc alors, découpeur d'entraînement. Il est bien, plus 501 en indice d'assaut. Ouais. C'est pas mal. Je perds du coup critique, mais je garde je gagne de l'efficacité de coup critique. Ah ouais, elle est belle. Ah ouais, non, elle est très belle. Elle est superbe. Elle est bleue, elle est pas rouge comme la première, mais... Bon, moi je veux un truc de runes par contre maintenant. Ça doit être ça, je pense. Gravure de runes, voilà. Alors, équiper des runes. Peut-être glisser un objet. Je vais me faire glisser l'épée alors. Épée, où es-tu épée? Où es-tu? Ah, tu es là. Voilà. Oh, j'ai trouvé aucun. Oh, j'ai trouvé aucun, d'accord. J'ai donc pas de runes sur moi. Je serais mis à la banque, hein, comme un abruti. Ça serait marrant. Bon, allez hop. Bon, bah tant pis, je l'ai mis à la banque. Donc, alors j'ai découvert un donjon. Un portail d'instance entré dans la cabine des proto-jeux. C'est bien gentil tout ça, mais si je suis tout seul. Hein. Non, attendez une seconde. Niveau recommandé 10 à 50, durée estimée 30 minutes. Ouais, mais il faut du monde, je suppose. Non? Je regarde un petit peu en bas les donjons. Inventeur de compte. Personnage, rejoignage de quête, recherche de contenu, des réseaux sociaux, boîte aux lettres. Réseau social peut-être? Guide, cercle, contact. Non. Oui, pour rejoindre les donjons, comment on fait? Ah, c'est là. Recherche de contenu. Expédition, aventure, donjon. L'Académie des proto-jeux, c'est une instance où vous voulez entrer, l'Académie voilà. L'Académie des proto-jeux, apprenez toutes les ficelles du combat dans un environnement relativement protégé, modérément légal et définitivement rentable. D'accord. Donc, vous voyez, bon, je suis en attente sur un donjon, bon, je vais pas y aller tout seul hein, quand même. Hein. Et maintenant, je vais aller ici. Les testeurs. Ce qui est bizarre, c'est que vraiment, il n'y a pas de... Oula. Le 1 est là, le 3 est là, mais bon, les autres ont l'air d'avoir disparu. Appel à tous les testeurs, parlez aux sbires Togor. Salut! Pas sûr qu'il y a des missions qui sont pas visibles sur la carte, c'est étrange. Bah bon. On va rentrer ici, c'est tranquille. Mission de soldat débloquée, méfait d'invocation, Shua. Oui, on m'appelle? Il est temps d'aider tes supérieurs. Oui, c'est le seigneur Voricus, c'est ça? Je suis le seigneur Voricus, haut diplomate de l'unité ambassadoriale auprès des Falcréens. Viens te présenter au pilon de Horoc dans les plus brefs délais. L'unité ambassadoriale auprès des Falcréens, qu'est-ce que c'est que ça? Me serais-je mal fait comprendre? Oui, l'unité ambassadoriale auprès des Falcrines. Le Dominion a jugé opportun de m'envoyer comme émissaire pour lancer des négociations avec les Falcrines de Deradune. Ces créatures répugnantes, moins hommes que volatiles, toujours à jacasser sur leur fichu Osiric. Enfin, le devoir m'appelle. Je ne suis rien si je ne sers pas. Bon ben, est-ce que les Falcrines accepteront-ils seulement de négocier? Voilà comment il faut voir les choses, mon ami. On pose nos conditions et ils doivent les accepter. S'ils n'acceptent pas, on les anéantit. La diplomatie du Dominion ne fait pas dans le détail. Dans ce cas, pourquoi avez-vous besoin de moi? Otarka, que tu rentreras à ton arrivée sur la place, et la tête. Moi, je suis la belle. Et toi, tu es les muscles. Et les Falcrains sont des bêtes.
La belle et les bêtes. Je suis si intelligent que je m'étonne moi-même. Oui, j'arrive, Seigneur, j'arrive. Je te suggère d'y aller, et vite. On baffe, tu vas prendre, mais on peut traîner. Quoi. Qu'est-ce que c'est que ça? On dirait que c'est quelque chose qui est ouvert ici. Ouais. Et là, nous avons une balise de données. Voyons un peu ce qu'il y a ici. Début du défi. Récupérer des balises de données dans la zone de test de Brute Plaine. Pourquoi pas? Si j'arrive à en trouver, oui. Ah, il y en a une là. Une ici. D'autres par là. Balise de données, c'est ici. Bonjour, bonjour, excusez-moi, le chat. Oula, attention, on n'a pas rencontré l'espèce de courant électrique. Là, on dirait des lasers, mais enfin non. Et je crois qu'il y en a une autre là-bas, je la vois. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Non mais ça va pas, non? On dérange pas quand je suis sur mon vélociraptor. Enfin, Vélocirex. Début du défi. Alors, tuer des créatures améliorées. Ah bon, d'accord. Bon bah, tuons alors. Et hop, et de 3, et de 4, et de 5. Petite balise. Médaille de bronze obtenue. Médaille d'argent donc maintenant. C'est pénible. Bonjour vous. J'ai confondu renversement avec mon saut, c'est énervant. Ouais, et là par contre le son est un peu fort, je trouve. Voilà. Bonjour. Bon bah, vous, je dois vous éliminer, alors je vous élimine. Hein. Par contre, au niveau de la médaille d'or, ça peut être facile. Hein. Médaille d'argent. Oh, eh oh. Mais de côté, qui tu te prends toi? Sale matou. Un bâton, la chatapulte. Ah, ils sont améliorés pour ça, ils font des éclairs en plus, d'accord. Je comprends mieux. Bon. Et s'il y a ou pas? Non. Ah, j'ai perdu ma vitesse rapide. Oh, comme c'est dommage. Entrons dans la réserve qui est là. On va pouvoir trouver des balises quand même ici, non? Même pas? C'est honteux. Pas de balises. Sniff. Ah, bonjour. Ah, c'était le... la même espèce que le glouton là qui essaie de me tuer. Mouais. Bizarre quand même. Bon, Vélocirex, viens m'aider. Trop marrant ce petit parc animalier. Bon, toi là. Un Puméra amélioré. Pauvre Puméra. Enfin, le pauvre. Façon de voir les choses. Hein. Médaille de bronze obtenue. Merci. J'ai tué des créatures, ah, je suis à 3%, oui, d'accord. Ah mince, c'était revenu en fait. Dommage. Bon, c'est pas grave. Salut! J'ai dit salut! 100 points de défi. Je vais avoir du mal à terminer, hein, je pense. On va bien voir. Hop. 37%. Salut. Renversement, c'est bien connu.
46. Ah bah ça va. Attendez à pire quand même. Vous monsieur là. 300 gratte, c'est quand même pas mal de dégâts hein. Oui, c'est vrai que j'adore, je j'augmente de puissance en fait, de taille surtout. Ouais non, 57%, je pense pas que j'y arriverai là. J'ai surtout envie de faire le défi qui est là. Hop. Sois le bouclier de ces civils contre l'ennemi qui approche. Tiens bon, soldat. J'adore, c'est qu'il y a un... Il m'a des exilés qui a essayé de me taper dans le dos, je pense. Ça m'a fait marrer. Bonjour. Ils sont défense, en défense. Bah, ce sont des animaux, hein. Donc, ah, c'est marrant la manière dont il. Tant qu'il se comportait. Nos citoyens doivent être protégés contre ces perfides ennemis. Ah, je suis d'accord. Ils sont très perfides. C'est tout. Face à la puissance du Dominion. Gloire à l'empereur. Oui, gloire à lui, voilà. Gloire à l'empereur. Défi terminé. Ouais. Je suis une médaille de bronze, on va pas se plaindre. Hein. Bon, continuons. Ici, un donneur de quête, l'inspecteur. Ici on a le... oui, diplomatie, bah oui c'est les fameux diplomatie. Et là, le type de quête, faudrait que je retourne le voir le monsieur là-bas. Ah, je suis passé devant lui en fait, j'ai pas fait attention. Je retourne en arrière, mais d'abord je vais voir le donneur de quête. Voir ce qu'il propose. Inspecteur Regna, c'est ça, Collégium Royal. Ah bah c'est lui qui doit gérer le parc animalier. Voyons. Pas le temps, jamais le temps. Et test, et encore test, son sel de la vie. Un peu de tenue, mon ami. J'ai envoyé équipe de recherche Shua tester une nouvelle arme chimique. Aucun revenu, peut-être mort, peut-être pas. Sans importance, mais quand même, besoin de leurs données. Je trouverai ces données pour toi, t'inquiète pas. D'abord travail, ensuite récompense. Alors, voyons, on peut les donner. Allez, voilà. Un chercheur Shua mort. Qui était, oui, à mon avis... bien éclaté sur le sol. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Une écoutille Shua? Intéressant. Compte rendu d'essai. Étude imprévue. Effet réactif G43 sur tenue de protection passe au travers. Bonne donnée. Content de mourir pour science. Excellent. Hop là. Oh, c'est sympa d'ailleurs. Hein. Oui. Il m'en reste... Ah, ce sont des singes améliorés. C'est cool. Alors, le Shua ici. Compte rendu d'essai, étrange fouet, volé des échantillons de produits chimiques et joue à se lancer dessus. Beaucoup victimes, tenues percées par éclat. Préparerait après petit somme. Hey! L'enfoiré. Ouais. Et attends. Non mais oh. Pas pour qui lui? Un peu plus et je lui montrais à quel point je j'étais très 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 colère. Ah. Défi soldat, j'ai l'impression aussi. Ok. J'ai jamais compris pourquoi il y avait ça, hein, ces défis soldats là. Il doit y avoir un truc. Bastion, horreur terminite. C'est quoi bastion? Non, c'est pas ça. Hein. Bon. Alors, un peu de tenue, c'est ça. Il va falloir que je retrouve encore des chercheurs Shua morts, je pense. Voyons, F1. Ah, j'en vois un là-bas. Salut! Oh, la ferme, les singes. Oula. Ah ouais! Ah ouais, quand même! Non, mais c'est bon là. Hop là. On va te calmer tout de suite, toi. Voilà. Ah, ce sont les fameux avec les explosifs. C'était trop drôle. Ouais, ouais j'en avais conduit un. C'était drôle. Compte rendu d'essai. Le réactif G43 colle au viseur de la tenue. Visite réduite. Doit demander à Renla mettre des essuie-glaces sur poche de tenue. Mais un peu trop tard, malheureusement. Tenue Shua.
Il va y en avoir quelque part quand même. Ouais, ils sont un peu loin quand même, mais bon, pas grave. Continuons par là. Bonjour, bonjour. Il m'a vu, mais bon, c'est pas trop grave. Ah, il faut aller ici aussi. C'était pourquoi ça? C'était pour parler aux sbires Tobor. Tiens, bah, bonjour. Des progrès? Oui, il paraît que vous avez fait appel à tous les testeurs. Le Zax t'envoie, doit pas t'aimer, ou alors il t'adore. Enfin, bienvenue à Zone de Test de Brute Plaine, ici je suis à œuvre pour une science. C'est parfait, vraiment, je suis très enthousiaste. Succès obtenu. Ouais. Tu aides à tester rayon d'amélioration d'agressivité et modifier Pumera dans enclos jaune à côté. Puis combat. Faut bien tester capacité de combat, hein. Ouais, quel est cet endroit, mon ami? Zone de test de Brute Plaine, où Shua font expérience sur animaux, pour faire créatures plus grosses, plus méchantes, plus fortes. Draken content quand elles sont libérées dans savane, et teste aussi quelques armes, parfois deux en même temps. Je m'y mets. Bonne chance, ce sera pas trop. Merci, Shua. Pour l'instant, je cherche une autre tenue, là. Ici, là. Hop là. Maintenant, j'entends plus grand chose au niveau du le son lui-même. Ouais, si ça va. Je pense que ça devrait aller, je pense. J'augmente à 35, on verra bien. Bien, alors. Ici, Pumera non modifié. Je cherche la tenue. Voilà, je ferai ici. Ça devrait pas poser de problème. Bon, essayons alors cette espèce de petit truc là. Ah ouais, pas mal, pas mal. Ça marche bien ce truc. Et demain. Bon, je cherche la tenue moi par contre. Hein. Ah, c'est au-dessus, ah, d'accord. Voilà, j'ai cherché Shua qui était mort. Le dernier, je pense. Compte rendu d'essai, réactive J43, tue Pumera en 30 secondes. Puma déchiquette Shua en 10 secondes. C'est excellent. Absolument excellent. Allez. On va modifier celui-là aussi. Et hop. Ça va faire mal ça, ouais, je sais. Et 38%. Ça va être ensemble, ils sont vraiment chiant, c'est Shua à tout transformer. Mais c'est pour le bien de l'Empire, paraît-il. Oh, je regarde un petit peu aussi les compétences que j'ai là. Eh, du calme. Pour Fumera. Voilà, petit renversement. Ça fait toujours du bien. Et hop. Et hop là. Ça doit faire mal. Tiens, une épaulette. Est-ce qu'elle est meilleure que celle que j'ai? Oh oui. Ouais, bien meilleure. Hop là, on remplace. Hop, équipé. Bon bah c'est bon hein. Y'a plus que... Ah bah non, y'a encore un petit peu à faire. Ouais, allez. Alors vraiment hein. Ces Shua sont incorrigibles. Hop, renversement. Et un peu amélioré en moins. Un. Encore un, ce sera bon. Bonjour, c'est pas contre toi que j'en ai, hein, mais bon, l'Empire m'a donné des ordres par les Shua. J'attends, viens. Hop là. T'inquiète pas, j'avais les villes, je vais t'achever. Allô? Parle, parle. Au rebord, testeuse Adjurar et Chetty. Ouais. C'était Pumera modifié et perfectionné, non?
Pourtant, cobayes ont pas réussi à te tuer. Décevant. J'envoie les résultats à votre excellence. D'autres tests à faire, plus de données à collecter. Oberel, créature inoffensive, donc inutile. Bien mieux si carnivore. Et donc, tada! Présente à toi le carnivoriseur. Modifie Oberel avec. Regarde ce qui se passe. Si vous le dites, votre excellence. D'abord, travail, récompense plus tard. Oberel. Tiens, c'est quoi ça? Dépôt d'aide tactique. Colombatique. C'est pour moi ça, c'est pour les colonistes. Alors. J'ai pas fini en fait la tenue. Et ici, le carnivoreur, donc on va partir en arrière. On va monter sur Velociraptor. Rex, pardon. Et normalement, ouais, c'est par là-bas. On va finir les tenues rapidement. Ouh là, ce sont des vraies zones de combat ici. Je passe là tranquillou, sans réveiller tout le monde. Et là, hein, parfait. Le dernier chercheur. Compte rendu d'essai. Court-circuit, réactif J43, entrée dans la tenue. Fermeture cassée cousue, par quel abruti? C'est toi? Parfait, parfait. Intéressé dans la recherche, beaucoup d'opportunités. Un peu de tenue, mon ami. Expérience chimique, grand succès, appris pas une mais deux choses importantes. Arme chimique efficace et tenue de protection défectueuse. Cosmotronique! Bon courage avec toutes ces données. Allez, allez, y a du boulot! Maintenant, besoin de nouvelle tenue de protection pour deuxième phase de test. Ouais, c'est pas pour moi. Hein. On va remonter au nord. Pour faire le carnivoriseur. C'est trop marrant. Les chua, ils sont trop drôles quoi. Je les adore. Par contre, ça c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Générateur de sanctuaire. Ah, ça c'est pour les. Ouais. J'essaie comme ça pour plaisir. Hein. Ah bon, d'accord. Ça fait des expériences? Des expériences, d'accord. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein. Ici nous avons. Inspecteur Renla. Ah oui, il faut lui reparler. Je suppose. Ouais, j'ai pas mal d'expériences qui tombent, c'est bien. Hop. Tu me cherches? Non, pas vraiment. Très stressant d'amélioration de l'intelligence des tranches fouées réussies. Trop peut-être. Après test, tranches fouées ont mis testeur en cage. Besoin de quelqu'un pour les libérer. Je vais faire mon possible, espèce d'imbécile. Ouh, urgence, pas traîner. Oui, c'est bon. On n'est pas non plus... aux pièces quoi. Voilà, chercheur en moins. Ah voilà, je vois les Oberel. Pendant ce temps-là, je libère les chercheurs. Bande d'abrutis. Oui, quoi, qu'est-ce qu'il y a? Putain, pour la peine. Les omnibites, je me demande si ça sert à quoi. Alors attends, alors voyons. Mon cher Oberel, je suis vraiment désolé, hein. C'était pas du tout contre toi. Hein. Oui, ça vous a mis en colère, je sais. Ils vont être encore déçus que je meurs pas. Oh, dis donc! Sacrée modification, hein. Essayons sur celui-là. Hop. On va verser un petit peu parce que je supporte pas qu'un le gibier me saute dessus. Hein. Non mais oh. On va te calmer toi l'Oberel là. Hein. J'adore le bleu. Il y a une Oberel pacifique là-bas. Bijour. On peut éloigner. Hop. Voilà. Allô? Ah, j'ai pas dû faire les bonnes choses. Voilà. C'est mieux déjà. Je suis carnivore maintenant. Pauvre Brel, franchement.
Elles n'ont rien demandé, elles se font exploser par le... par les Shua. Ah, l'Empire est tellement... tellement cruel. Oui, bon... c'est pas ça qui va me passionner, une draken de ma classe, hein. Eh. Un petit peu de viande, ça fait toujours du bien. Miam. Ouais, bon, bon. Calme-toi, toi. J'en veux pas, moi. Pauvre Brel paisible. Oh, cette corruption de l'Empire. J'ai toujours marré. Ah, désolé. Je t'ai un peu laissé tomber. T'es un petit peu enthousiaste. T'es où? Attends, t'as 20 points de vie, tu oses me défier? Tiens, voilà. Découpage d'Aubrel. Alors, l'Aubrel paisible. En plus, elles sont jolies, hein. C'est une espèce de mélange de... entre une espèce de cheval et une gazelle. Amusant. Par contre, au niveau technique et au niveau graphique, c'est très très bien fait. Hein. Je trouve qu'il y a une qualité graphique qui est extraordinaire sur ce jeu. Faut aimer le style un peu à la Borderlands, au comics, quoi. Alors, développement colonial terminé, injecteur d'analyse disponible. Oui. Alors, tranche fouet, retournez voir l'inspecteur Renla et trouvez l'inspecteur Renla pour le carnivoriseur. Il était derrière, je crois. Il est juste là, ouais, c'est ça. Bonjour. Non, non, je reste pas. Hein. Il est juste là. Oh, il y a un certain Bouzigarou. Bouzigarou. Waouh. Ça, c'est pourquoi ça? Indicateur de sécrétion surrénale de brute pleine. Ça sert à quoi? Ouais, ça me fait des petits bonus, quoi, je pense. Allez, inspecteur! Encore toi! Oui, j'ai testé votre carnivoriseur. Tu as un carnivoriseur? Mauvais fonctionnement avant. Testeur mangeait autre testeur. Mais marche mieux maintenant, non? Tant mieux pour toi! Aïe aïe aïe. Alors, le décarnivoriseur. Ah, il y a un décarnivoriseur aussi. Eh ben, 10 d'assaut plus 10, on va pas se gêner, hein. Bien joué! Mais pas le temps de souffler. Continue le travail. Étrange fouet. Excellent travail. Équipe libérée avec dégâts physiques limités et dégâts surtout psychologiques. Testeur maintenant peur irrationnelle, étrange fouet. Fascinant. Oui. Ben merci pour votre gratitude. Oui. Putain, c'était tellement de la bombe! Comment t'as fait? Ah, nouvelle crise! Perdu contact avec Togor, vu dernière fois près de l'enclos haute sécurité. Très inquiétant, spécimen dangereux là-bas. Découvre ce qui s'est passé. Je vais essayer de le trouver. Bonne chance! Ce sera pas de trop. Si Togor meurt, je suis prochain sur liste pour devenir sbire du Zax. Ouais, donc en fait, t'as pas intérêt à ce que je retrouve, quoi. Bon, on va essayer de trouver Togor. On va suivre la route avec Vélocirex. Bien. Suivons la piste, apparemment c'est la seule à suivre. Je crois. Ouais, c'est ça, en fait. On va traverser le parc. Salut, salut tout le monde. Je m'arrête pas pour vous, hein, je suis désolé. Ah mais on s'en va en territoire un peu inconnu. J'aime bien. Ah, tiens, en fait, j'ai gagné un niveau. Petite de classe réserve d'urgence. Lance atomique. C'est que ça. Lance atomique. Alors, inflige 245 points de dégâts, c'est soutien ça. Génère 200% de points de menace, donc ça c'est du soutien, c'est pour le tank. Oh, intéressant. Ouais, pour l'instant je fais rien, je répartis rien, on verra ça la prochaine fois. Recherche de contenu. Capture de l'avant-poste M13, ça c'est une, à mon avis, une expédition, ouais. Création de guilde, ok, tout retiré. Alors, je regardais expédition, aventure, c'est quoi exactement? Expédition. Voilà, c'est ça, c'est l'expédition, c'est les terreurs venues du fragment 0, c'est ça que je voulais faire. Avec Fabrice. Ok, on verra ça plus tard. Les quêtes, ouais, bon, pour l'instant. Non, ça va, ils sont pas négatifs. Oh là, par contre. Oula. Il y a plein de braconniers ici. Oui, j'ai passé un peu l'endroit. Excusez-moi. Où est-il? J'adore la manière de nager, c'est génial quoi.
Ah, il est là. Il est au bout de cette piste. Je suis là, je suis là. T'inquiète pas, Togor, je viens à ton secours. Te voilà, bien, bien. Il était temps. Alimentation en clos de sécurité coupée. Venu ici pour enquêter. Spécimen très rare. Et... très spécial gardé dans l'enclos haute sécurité. Expérience 878. Développe capacité effrayante. Devenu beaucoup trop malin. Doit être détruit. Bon, on va faire ça comme ça. Ça doit être ça, je suppose. Ouais. Salut. Voilà. Il y en a plusieurs. Ouais, c'était tout. C'est ça ton expérience qui était hors de contrôle? Du nouveau? Félicitations! Première testeuse à survivre à l'expérience 878. Panne de courant, juste histoire inventée pour faire test à l'aveugle. Petit con, va. Ouais. Bof, bof, bof. Bon, on va prendre les bottes de bruit de peine, hein. Vraiment, c'est honteux. Bien, ensuite. Vous allez voir le seigneur Vodavricus, je pense, au nord, à la position Python de Horoc. Intéressant. Et j'avais un autre truc à faire ici, non? J'avais vu un truc. Oh là. Hop là. Non, je pense pas. Allez hop, on va au Python de Horoc, on verra bien. Avec Vélocirex. Youpi! Ouais, j'ai fait un de repos, c'est marrant qu'il tombe. Hein. Alors que je suis pas abonné, hein. Quoique, j'ai dépensé de l'argent pour acheter un emplacement de personnage, donc ça se trouve, je suis un joueur privilégié qui gagne de l'XP repos. Je sais pas. Alors, Horoc, c'était au-dessus en fait, il y avait un pont. Ouais. Bon, t'es par là peut-être? Regardez. On fait le tour peut-être? Ou alors peut-être reprendre par devant? Ce sera ennuyeux ça. Tiens, je reviens au village. Pour vous inscrire, vous ou un être cher, à l'Académie des Proto-Jeux. Par Protostar. Ouais. Donc, c'est par ici en fait. Pas tout le tour? Ah non, c'est bon, on peut passer par là normalement. Quoique. Si je fais ça, je passe par ici, donc je monte là, normalement. On va suivre la route à nouveau. On va quand même arriver à Horoc avant le. On va finir la vidéo quand même. C'est donc la sixième heure si je me trompe pas. Ouais, bon, je vais faire le tour, tant pis. Hein. On s'en par là peut-être, c'était mieux. Ouais, il y a de la place là. C'est bon. Salut les singes. Je vous déteste les singes. Hop. Manqué. Voilà, bruit de plaine. On est à Horoc. Bon bah ici, il y a le seigneur Voricus qui veut parler. On dirait un terminal de transmat. Vous voulez vraiment lier votre point de rappel à ce terminal? Oui, voilà. Tu places ton point d'attache ici? Quel choix inattendu. Enfin, non. En fait, pas vraiment. Statistiquement, c'était pratiquement certain. Ah bon, d'accord. Donc, utiliser inoculateur de sécrétion surrénale de bruit de plaine. Ah, ça fait un petit bonus en plus, j'ai l'impression. Puissance d'assaut et de soutien de vos PV de 5%. Et bah voilà. Bon bah on est arrivé devant le seigneur de Voricus et puis la prochaine fois on va se reposer. Hein, parce qu'il y a une petite tente là, on va se reposer là tranquillement. Parce que je sais pas ce qu'il me veut, donc on verra bien. On vient de passer un certain endroit. Ici il y a un panneau des primes, bon je m'en fiche. Bon bah c'est pas mal, j'ai quand même fait pas mal de terrain là. C'est quand même gigantesque, y'a pas à dire. Hein. Y'a un poste de liaison ici. Y'a les orins toxiques, c'est une mission commando. Donc, ouais, puis là, ça, j'ai pas fait ça ici, tout ça là. Je sais pas ce qu'il y a. C'est pas grave. On verra ça une prochaine fois, de toute façon, j'ai tout le temps. Voici Nexus, avec Outre-Horizon que doit être la lune où on va faire les instances. Bon, allez, bah moi je vous dis à bientôt, je vous fais des bisous, un petit chouette d'amour. Et cette chère magnifique. Sublime Adjura vous applaudit pour être resté aussi longtemps devant cette vidéo. Allez, à bientôt. Je vous embrasse mes petits tueurs d'amour.